Ville de Repentigny bonifie ses services en ligne. Dorénavant, les citoyens qui souhaiteront prendre part à une activité offerte par la Ville devront obligatoirement se créer un compte Loisirs Culture, sans quoi ils ne pourront accéder au formulaire d'inscription en ligne. Le compte Loisirs Culture réunira les renseignements d'identification du titulaire et des membres de sa famille. Il ne sera donc plus nécessaire de les saisir à chaque inscription. Par cette initiative, nous visons faciliter et accélérer le processus d'inscription au camp, ainsi qu'aux activités sportives, aquatiques et culturelles. Les comptes Loisirs Culture permettent une meilleure gestion de l'achalandage aux inscriptions et améliorent l'expérience des utilisateurs. Assurez-vous de créer votre compte Loisirs Culture au minimum 48 heures avant le début des inscriptions. Pour ce faire, rendez-vous d'abord sur le site web de la Ville, puis cliquez sur l'onglet « Inscription loisirs » /piscine dans la section « Services en ligne ». Une fois sur la plateforme, cliquez sur « Créer un compte ». Complétez les différents champs du questionnaire d'identification, puis cliquez sur « Inscription ». Entrez votre numéro de carte citoyen, de carte bibliothèque ou de client, suivi de votre date de naissance, puis cliquez sur « Confirmer ». Si vous ne possédez aucune de ces identifications, cliquez sur « Je n'ai pas de carte citoyen ou de numéro de client ». Si vous avez cliqué sur « Confirmer », vous serez dirigé vers votre profil d'utilisateur. Validez l'exactitude des informations et ajoutez les membres de votre famille s'ils n'y figurent pas déjà. Si vous avez cliqué sur « Je n'ai pas de carte citoyen ou de numéro client » ou si le système ne vous a pas reconnu, vous serez dirigé vers un second questionnaire d'identification. Complétez tous les champs, puis cliquez sur « Confirmer ». Une fois sur votre profil d'utilisateur, vérifiez que vos informations sont exactes et ajoutez les membres de votre famille à votre compte. Voilà, votre compte a été créé. Il ne vous reste plus qu'à faire le choix de vos activités et à attendre l'ouverture des inscriptions. Pour toute question, rendez-vous dans l'une des bibliothèques ou au Centre aquatique Jacques-Dupuis ou encore contactez le service des loisirs, des sports et de la vie communautaire.